Of is het ondertussen veranderd? Ja, gezondheid is beter, dus dat is een goed teken natuurlijk. Goed geslapen? Perfect, ja. Nick, last gehad van de stad. Meneer Van Amuse, hier op de televisie hangt een eigen drank op. Dit is goed job, bananen. Wat daar hoor, Van Amuse, dat is een Kom maar, hè. Ja, vis. Tom Beunen. Zet hem. Moet je waar zeggen? Hier, 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 wacht, hier, ja. Hier, hier. Begin van de uitzending zeggen dat er wat problemen waren op de Wolvenberg, dat daar stormschade was en dat de brandweer in de weer was. D'ici une vingtaine de kilomètres, on va attaquer avec le Kreuzberg, le Kleinberg, l'Eikenberg, le Wolvenberg et les secteurs pavés. Donc c'est une petite transition, le Pottelberg sans gravité, c'est pas le plus dur des monts que l'on va parcourir aujourd'hui. Mais à partir du Kreuzberg, là les choses sérieuses vont commencer et on va vraiment avoir la première sélection de ce circuit de vol. Le dernier des monts, ce sera le Molenberg à 38 km de l'arrivée. Il restera encore quelques secteurs pavés. Et puis les 25 derniers kilomètres, c'est quasiment du tout plat avec des routes relativement larges et faciles. Mais attention, les conditions météo aujourd'hui seront très importantes. Le vent, on l'a dit, il y a eu une tempête hier soir, donc les passages pavés peuvent aussi être délicats.
Le vent, il faudra s'en méfier. Ça peut permettre à un petit groupe de partir. Ça peut favoriser les bordures. Ça peut favoriser les bordures, en tout cas, dès qu'il va être de côté. Et on sait que sur le... Kuczynski est à pop. L'écran par le GPS, on verra. Je pense que 4,48 via Radio Tour, c'est peut-être l'écart qu'on va bientôt avoir sur l'écran. Toujours pour cette équipe Slipstream, on connaît la philosophie de Jonathan Wauters. S'il veut se positionner totalement contre le dopage, il a demandé à tous ses coureurs de venir s'installer en Espagne. Du côté de Girona. Du côté de Girona. Et il leur a donné, lors de leur premier stage, un téléphone portable, un smartphone qui permet, vous voyez, de téléphoner, d'envoyer des SMS ou des textos, d'envoyer également des mails, ce qui est pratique pour tout ce qui est contrôle inopiné, pour pouvoir dire « Ah tiens, attention, je serai à tel endroit où je n'y serai pas, je change mon programme ». On sait que le passeport biologique, et on sait que l'UCI insiste là-dessus. Rectification, c'est 5,50. Donc, il y a une petite erreur pour les cas. Il faut pouvoir donner à tout moment l'endroit où on se trouve. Mais dans ces smartphones, il y a aussi un GPS, ce qui veut dire qu'on peut localiser à tout moment le téléphone, pas forcément le propriétaire, mais en théorie on doit pouvoir localiser et le propriétaire et le téléphone. C'est rassurant pour la lutte contre le dopage, c'est effrayant aussi quelque part, hein. Oui, je pense qu'il faut plus voir le côté rassurant de la chose. La bonne chose, c'est de pouvoir s'entraîner tous ensemble avec le groupe, un groupe commun, et de pouvoir souder justement un esprit d'équipe en s'entraînant du côté de Girona, à côté de Barcelone. On accélère avec l'équipe Astana qui n'a pas un maillot blanc, en tout cas pas encore aux yeux des organisateurs du Tour. Et c'est vrai que par le passé, ils n'ont pas prouvé qu'ils étaient relativement blancs dans ce sens-là. Astana avec Liquigaz, CSC, ce sont les grosses équipes qui commencent à s'activer. Et puis derrière, on réagit tout de suite avec l'équipe Quick-Step. Hein. Vous voyez que Bettini est en troisième position, deux équipiers pour revenir. On accélère un peu, on roulait à un train de sénateur, 6,49. Les hommes de tête avaient repris une minute sans vraiment accélérer. Non, on voit que l'intérêt de Quick-Step, c'est de pouvoir ramener justement et de pouvoir contrôler le peloton, éviter qu'il y ait justement des petits groupes qui commencent à s'en aller alors qu'il reste encore plus de 70 km par rapport à l'arrivée. Et les coureurs de la formation de Patrick Lefebvre font bien le travail, ils reviennent directement, ils canassent le peloton. Il sera temps d'ici une dizaine de kilomètres, quand on va attaquer vraiment les choses sérieuses, d'accélérer l'allure. On sait aussi que pour les 6 hommes de tête, ça va commencer à être de plus en plus difficile. Ils sont quand même partis depuis le kilomètre 18. Donc il n'y a pas de précipitation du côté de la Quick-Step et on contrôle bien la manœuvre. Parmi les hommes de tête, il y a Boucher. Et vous savez que lui, il a créé sur son site un calcul des kilomètres en échappée. Il en a parcouru l'année dernière 1746, il est pas loin du record de Jackie Durand qui était de quasiment 2000 km en une saison.
1746, mais il commence encore très bien l'année, David Boucher, puisqu'il est à nouveau devant. Et ça fera plaisir à Gérard Bullens, bien évidemment. Et on voit Van Sumeren qui arrive, l'équipe Silence Loto. On va dire un jour ou l'autre, Silence on tourne. Hein. Silence Loto, c'est l'équipe qui est née sur. Décliné différemment hein, d'Avitamon et puis Omega Pharma. Silence Loto. C'était Predictor à un moment. Non, Omega Pharma n'a jamais été, c'est la maison mère. Donc on a eu Davitamon, on a eu Silence et on a eu Predictor. Jimmy Casper qui est là aussi, le vainqueur sortant du Grand Prix Samin. Le Grand Prix Samin qui se déroulera mercredi prochain. Ce sera l'ouverture du côté francophone avec un plateau aussi intéressant. Philippe Gilbert sera de la partie. Il y aura aussi notamment Cavendish, le sprinter de l'équipe iRoad. Tom devant Cipollini. Bonnen qui avait été félicité par le gouverneur de Californie, Schwarzenegger. Et au niveau retombée médiatique, eh bien, Quickstep avait chiffré ça à 5 millions de dollars. C'est vrai que c'est une belle épreuve, calendrier américain qui se développe énormément. Beaucoup de public, des belles arrivées en plein centre-ville. Et je pense que, outre l'aspect médiatique, l'aspect commercial, l'aspect marketing, mais au niveau sportif, ce sont des courses qui maintenant ont vraiment de la valeur. Même Bonnen le disait par rapport à sa première expérience. Oh là là, il chute! Chute avec chute. Pris dans cette chute, il y a Carlo Westphal. Il y a deux coureurs de la formation Garo Scheffler. Il y a Leaky Gas, semble-t-il, là au sol également. Il y avait deux coureurs de la formation Cofidis qui repartent. Coureur de la formation Leaky Gas. Westphal. Ça peut être Foten éventuellement le deuxième coureur de Gerold Steiner qui vient de se relever. C'est lui. Ouais, c'est bien Foten. C'est Foten. Et un coureur de Leaky Gas qui reste au sol. C'est Petito. C'est Petito. Roberto Petito. L'équipier modèle qui vient d'être victime d'une chute. Et ça il se tient un tout petit peu la clavicule, hein, malheureusement. Et on l'a vu, c'est nerveux, on utilise toutes les portions, regardez. Il y avait trois coureurs, quatre coureurs de la formation Cofidis. Je pense que Sylvain Chavanel était là et qu'il est passé sans encombre. Il y avait Cancellara qui a été un peu gêné par cette chute aussi, qui n'est pas tombé mais qui a mis pied à terre, qui venait de... Ah, et le passage à niveau fermé. Et ça la veut règle dire est que claire, ça va être... avantage ouais. À l'échappée. Et là, il ne faut surtout pas le passer pour éviter la mésaventure de Paris-Roubaix dont tout le monde se souvient. Ça va peut-être animer un petit peu plus maintenant parce qu'ils vont perdre du temps, c'est sûr et certain. On va chiffrer, on va calculer le temps. Ah, le train est déjà là. Hein. Vous voyez que des coureurs font demi-tour, c'est pas pour retourner à Gand par le chemin inverse, c'est simplement pour aller vite à la voiture, ravitailler. Ça ne valait pas la peine. Hein. Non, et ça repart rapidement. On ne perd pas plus de temps que si ça avait été une petite chute. 5,58 l'écart au moment où ils se sont arrêtés. On va voir combien de temps les échappés ont pu prendre grâce à cela. Et regardez, ça va. Il y a toujours une belle cassure là entre les deux pelotons principaux. Chute dans le peloton, dans le premier peloton, au niveau de la 10e place. Malheureusement, et là, ça retient toute l'arrière du peloton. D'où l'importance d'être toujours bien placé. Le deuxième peloton va lui être aussi ralenti par rapport à cette chute. On va essayer de faire l'identification des coureurs. Il y a un coureur de Kolstrup encore à terre avec le maillot blanc. Il y a Roy Kervers, il y a Doal, Berdoal à terre. Il y a Weseman également, me semble-t-il. Franzoy est là aussi. Weseman qui est en train d'essayer de dépêtrer son vélo. Donc pour lui, c'est course perdue. Franzoy, Fischer. Et il y a pour l'équipe Hazel, pour l'équipe iRoad. Ivanov pour l'équipe Astana qui vient de repartir seulement. Mais pour ces coureurs-là, pour Berdoal, c'est un coup dur. On va revoir. C'est tombé très très tôt. Hein. Il y a un coureur Cofidis aussi qui est tombé. C'est tombé juste derrière Bonnen. Van Sumeren qui se retrouve.
Philippe Gilbert. Bien placé dans la roue de son équipier. Neuhaus. Et qui accélère, Philippe Gilbert. Et avec Neuhaus qui bondit. Neuhaus qui bondit. Uchoff qui va essayer d'y aller. C'est Kevin Ista, là, je pense. Troisième position. Et voilà, Philippe qui passe sur la partie asphaltée. Et qui va revenir sur le duo Saint-Chens-Bonnet. Et on va tenter de réagir. Le voilà, il avale Bonnet et il laisse Saint-Chens quasiment sur place. Là, c'est un véritable Philippe Gilbert qui fait un petit numéro, là, Philippe. Il est en forme, on le sait. Neuhaus qui coince un petit peu et qui laisse 1, 2, 3 mètres. Ista ne sait pas y aller. Il se retourne. Philippe Gilbert parti en chasse derrière les hommes de tête. Il serre les dents. Il sait que c'est difficile, mais qu'il faut faire un effort maintenant. Il faut produire son effort. Regardez l'écart. Regardez l'écart de Philippe Gilbert. Il ne faudrait pas non plus qu'il se retrouve trop seul, car il reste quand même encore 49 km. On a vu que les conditions météo, il y a pas mal de vent. Il ne va pas toujours être favorable. Donc tout seul à 49 km avec le groupe qu'on a derrière, c'est peut-être encore un peu tôt. Il faudrait vraiment attendre qu'il y ait un petit groupe de 4 ou 5 qui puisse rentrer. Tenter, hein. Mais en tout cas, c'est bien de faire une première sélection et c'est bien de se montrer. Quoi qu'il arrive, on voit qu'il a de la force dans les jambes. Hein. Neuhaus qui ne sait pas suivre. Parce qu'il est dans la roue quand Philippe attaque et il est décroché à la régulière. Et il remet une couche. Il éprouve quand même les organismes et tout le monde sait qu'il est en forme. Mais c'est sa façon de courir aussi. Oui, c'est une façon offensive, agressive dans le bon sens du terme. Généreux qui plaît au public, aux journalistes, aux organisateurs. Et c'est ce qui fait le charme, de Philippe de pouvoir justement faire ce type d'effort. Il reste 50 km quasiment pour rejoindre Gand. C'est encore loin pour partir tout seul. 3 minutes de retard sur les 5 hommes. Bien sûr, il a un équipier à l'avant. Il a Gérard, mais je ne pense pas que Gérard pourra lui être très très utile une fois qu'on reviendra. Kevin Ista qui tient le rythme. Qu'est-ce qu'il faut faire? Ralentir un petit peu pour permettre à Ista de revenir. Surtout voir qui revient dans la sélection. Et voilà, là il y a une belle sélection. Il y a 2, 4, 6, 8, 9 coureurs qui reviennent. Donc Ancelara, il y a 2 coureurs de la formation Silence Loto, 2 coureurs de la formation Cofidis, je pense. Et puis derrière, on va essayer de revenir aussi avec les Liquigas. Stegmans qui laisse passer. Stegmans, il a fait l'effort tout à l'heure, ainsi que De Volder. Et maintenant, c'est un peu dur pour Stegmans. En tout cas, accélération impressionnante de Philippe Gilbert. Et voilà Philippe. Qui prend bien son petit virage sans précipitation. On a vu qu'il y avait... Il devrait franchir le Wolfenberg. Il est en plein dedans et toujours avec beaucoup d'explosivité. Très bien sur la machine, il passe tout en danseuse, à l'arraché, très bien. Wolfenberg qui fait 645 mètres de long et un passage maximum à 17% quand même. Et là l'idéal pour Philippe serait de voir sortir un autre petit groupe dans le Wolfenberg avec quelques leaders qui pourraient servir de soutien. Kevin Ista qui maintient son rang. Kevin Ista. Qui se rapproche quelque peu, même, me semble-t-il. Qui pensait intégrer l'équipe Predictor et puis qui finalement avait été laissé sur le carreau. Et ça voilà. Contrôle. Hein. Et ça contrôle avec toujours l'équipe Cofidis. De Volder qui et est revenu. Et les Quick-Step qui ont de nouveau repris le commandement avec De Volder. Philippe Gilbert à 2,20 des hommes de tête. Et après, le seul risque maintenant pour Philippe, c'est de continuer comme cela et d'avoir derrière un groupe qui va contrôler pour rester à distance. On est là sur 2400 mètres de mauvais pavé. Philippe Gilbert à 2,20, Ista à 2,34. Et le but est surtout avec les 25 derniers kilomètres que l'on connaît ici pour le retour de ce parcours modifié du circuit Edvolk. Parcours sur de grandes avenues très larges, plutôt favorable à la poursuite. Maintenant, une fois qu'il est parti, ça ne sert plus à rien de l'arrêter. Les cartouches ont été utilisées. Il faut continuer, c'est un coureur de panache. Attendons de voir si dans le secteur pavé qui vient, il y a une sélection. Si dans les deux monts qui suivent, il y a une sélection.
Et je pense que c'est vraiment là où Philippe pourrait voir revenir un petit groupe de 7 ou 8 coureurs. Il y a un petit trou là entre De Volder qui a laissé quelques mètres et un groupe d'une dizaine de coureurs. C'est vraiment ce que Philippe maintenant peut espérer, c'est de voir revenir ce petit groupe de 7 ou 8 coureurs et d'avoir fait une première sélection. Même si ça lui a coûté beaucoup d'énergie, mais je trouve que c'est bien d'avoir du panache. À l'heure actuelle, parfois beaucoup de coureurs en manque, on est dans des courses d'attente. On dit souvent que l'oreillette casse un peu la course, mais là au moins, ben, voilà, on part à l'offensive, on attaque. Par son équipier, c'est Michael Delage, je pense, qu'il a mis sur orbite. Impressionnant dans son démarrage. Neuyens a tenté de prendre la roue, Ista aussi, et ils ont lâché, tous les deux. C'est vrai qu'il a eu un beau travail d'équipe du côté de la Française des Jeux, et puis je pense que tous ses équipiers ont vraiment envie de lui faire gagner des courses et de le garder pour la saison prochaine, car on sait que Philippe est en fin de contrat avec la Française des Jeux. Il a toujours dit qu'il renégocierait avec les différentes équipes à partir du mois de mai, donc il a envie de se consacrer. Et Philippe Gilbert n'est pas encore revenu sur les coureurs du Molenberg, mais les coureurs de tête qui sont eux dans le Molenberg. Je pensais qu'il avait déjà résorbé son retard. Non, c'est toujours son coéquipier dans ce groupe de tête, Arnaud Gérard. Et abandon de Heinrich Hausler. Voilà le Molenberg, dernière difficulté du jour. Et on voit que Yuri Christophe est revenu. Ça devient difficile pour Friedman à l'arrière. À tour de rôle. Hein. Tout à l'heure, c'était Christophe qui était en difficulté dans l'ascension. Minard, Gérard, Kuczynski, les trois premiers. Et puis un petit peu plus loin, Yuri Christophe. Et le dernier. C'est assez court le Molenberg, 463 mètres et un passage tout à fait au début à plus de 14%. Et une fois qu'on en est là, on retrouve l'asphalte. On va tourner légèrement sur la gauche. Et là, on n'est pas du tout à l'abri. Et prendre le premier virage à droite. Et voilà, ça en sera terminé avec le Molenberg pour cette première partie. Christophe qui revient facilement. Kuczynski qui a l'air quand même le plus à l'aise de ce groupe. C'est lui qui relance à chaque fois, il ne s'est jamais trouvé en difficulté. Et de là. À l'arrivée potentielle de Philippe Gilbert. Et Philippe Gilbert qui va faire la jonction sur Boucher juste avant de tourner à droite. C'est là au bout, on le voit, on tournera à droite et ce sera le début du Molenberg pour Philippe Gilbert. Top, voilà donc Philippe Gilbert qui est revenu sur Boucher au pied du Molenberg. C'est tout juste, il va frôler le petit pont. Et il laisse évidemment David Boucher. On voit la roue arrière qui chasse un petit peu en puissance. Philippe Gilbert dans le Molenberg. Bien resté sur la selle. Pavé est humide à droite, mais pas au centre. Voilà le passage délicat avec le plus de pente. Et vous voyez le vent. Hein, qui est toujours violent, que ce soit dans le Molenberg, mais aussi ici. Et derrière, 46 secondes pour ces deux coureurs de retard sur Philippe Gilbert, Keux et Johansen au pied du Molenberg. Et on n'a pas vu rentrer Jalabert. Jalabert est à 10 secondes. Et Keux qui laisse Johansen sur place maintenant dans cette partie-ci. Mais comme le Molenberg n'est pas trop long, normalement Johansen devrait faire la jonction également. Et on l'aperçoit là-bas, le coureur Agritubel, c'est Nicolas Jalabert. Voilà le restant du peloton avec l'équipe Cofidis en poste entre Jalabert et Cofidis. Les motos, et puis on a aussi, je pense, le grand Van Sumeren qui est là.
Et on accélère. Scène qui voit arriver son leader. Sept hommes en poursuite derrière Philippe Gilbert et puis devant il y a encore les cinq hommes de tête. Et l'équipe CSC, Johansen va se mettre au travail maintenant pour Cancellara. Uchoft est dans la roue. Il va tenter d'y rester. Là, on a vu que Leifost était aussi en bonne condition sur l'ascension du Molenberg. Revient sur Boucher, mais ça c'est normal. Qui était avec Philippe Gilbert au pied du Molenberg, mais il avait été laissé sur place par Philippe. Minute 24. Et quelle aisance pour Cancellara, hein, qui à chaque fois qu'il relance, laisse un ou deux mètres derrière lui. 1.24 pour Philippe Gilbert sur ce groupe-là à 34 km. C'est un groupe quand même où il y a quand même de beaux rouleurs. Marqué que derrière lui plus personne ne suivait et là il y a un beau petit trou quand même, un coureur isolé et voilà le groupe avec emmené Bettini. Par Bettini donc il est bien revenu lui depuis que il avait eu ce moment difficile à René, dans le Kreuzberg oui avec Kretzken je pense qui était tombé devant lui. Donc 1.19, c'est le retard de Philippe Gilbert sur. De zwarte over schoentjes over zijn schoenen. Uchoff, de Noor, de Zwitser, Cancellara naast hem. De tête. Il reste quand même toujours un sprinter dans ce groupe, un véritable sprinter, c'est Uchoff. Et nous voilà dans la pas de Straat. La célèbre pas de Straat, 2300 mètres. Et ici, impossible de rouler sur l'accotement, vous le voyez, il est totalement humide, il y a des trous. Donc on est obligé de rouler au centre du pavé. Christophe qui est lâché et qui sera peut-être le prochain coureur repris par le groupe des poursuivants. Le
déjà 17 km, 17-18 km. Très beau coup de pédale en tout cas, encore bien posé sur le vélo, les mains sur les cocottes. Il n'est pas du tout désaxé. Quasiment parti sous la banderole des 50 derniers kilomètres, Philippe Gilbert. Pour la petite histoire technique, l'équipe française des Jeux qui utilise des pneus increvables, en tout cas c'est ce qui a été annoncé, ça veut dire des pneus qui dans la chambre à air contiennent une substance qui éventuellement en cas de crevaison permet justement de direct problème de crevaison pour Philippe sur ces pavés de la Padestrat. Et les Fautz qui a pris les choses en main avec Neuens dans la roue. Cancellara est un petit peu plus loin en 4e ou 5e position. On a Keuks dans la roue de Neuens et puis Uchov je pense. Et là pour le moment on doit se poser quand même pas mal de questions du côté de la formation Quick-Step car on n'a pas forcément Christophe qui va être d'une très très grande utilité à Philippe. Et Philippe l'a bien compris, hein, il passe sans regarder et Christophe ne cherche même pas à s'accrocher. Il sera déjà très content de rejoindre Gand tout à l'heure. Et toujours le même numéro de Philippe Gilbert, déterminé en le de passer, qui peut passer. Et voilà, donc on a bien demandé au coéquipier, à Gérard, d'attendre Philippe et de lui prêter main forte. C'est vrai que Philippe a fait un long bout de chemin seul, hein. Il est parti à 50 km de l'arrivée, il en reste 27, donc il a fait 23 km sans avoir la moindre protection au vent, même si on était dans les monts et sur le secteur pavé. Maintenant, ça peut être très utile. Oui, là, c'est vraiment l'endroit où il est le plus utile, où il peut encore faire vraiment un dernier effort sur une zone qui est vraiment, vraiment exposée au vent, où là, il peut être utile. Ce ne sont pas des pavés. Il va pouvoir justement accélérer un tout petit peu. Et puis, outre l'aspect physique, l'aspect aspiration, mais il y a un aspect moral aussi de pouvoir prendre la roue d'un équipier pendant ne fût-ce que quelques kilomètres. Mais c'est clair que par rapport au moral, à la motivation, mais c'est un plus. On s'y attendait, c'est le coureur de la formation Slipstream, Friedman. Voilà donc un groupe de 4. Ah si, ils peuvent se mettre à tourner, c'est intéressant pour Philippe. Mais le problème, c'est qu'ils ont été lâchés à la régulière. Donc physiquement et logiquement, ils sont un petit peu émoussés. Le seul qui a gardé un tout petit peu sur la pédale sur les derniers kilomètres, c'est vraiment Gérard. Et encore maintenant, regardez. Encore à 50 km de l'arrivée. Mais déjà, chapeau, beau travail. Maintenant, après, on va attendre la sortie de ce dernier petit secteur pavé où on va revenir sur des routes un peu plus grandes pour faire l'écart avec le groupe Cancellara où ça roule toujours et on y verra un peu mieux car dans ce groupe-là de 6 coureurs, Philippe sait très très bien qu'il y a peu de coureurs qui vont être encore vraiment utiles même si Minard et Kuczynski sont un peu moins éprouvés, on l'a vu dans tous les monts, que Friedman et Christophe. Mais ce n'est pas forcément le meilleur groupe pour résister à un groupe où derrière ça roule avec des coureurs comme Cancellara. Voilà, on va voir avec l'hélicoptère et ils sont tout proches. Hein. Le groupe de Cancellara, Neuens, Host va sans doute lui aussi opérer la jonction. Il y avait moins de 40 secondes tout à l'heure. Oui, et puis c'est un groupe de poursuite où tout le monde a intérêt à rouler. Johansen pour Cancellara, Uchoff, il sait qu'il est le meilleur au sprint si ça arrive à Gand avec le sprint. Host, il est le seul représentant de son équipe, en plus les Quick-Step ont été piégés. Boucher, Keuks, il n'a rien à perdre. Jalabert, il est là, je veux dire, il a tout à faire dans cette course-là. Donc maintenant, je pense que ce groupe-là, ben, c'est 6 coureurs-là. Au revoir, voilà. Philippe qui s'en va avec Minard. Ah, il comprend que maintenant il a plus à perdre qu'à gagner s'il reste avec ces coureurs-là. Philippe qui est sorti. Il y a 20 km, il y a un beau chrono devant lui. Même si le terrain lui sera peut-être un tout petit peu défavorable sur ce nouveau retour par rapport à Gand, où on va retrouver quand même des grandes routes et puis une forte exposition au vent. Mais tant mieux, il a eu du panache à 50 km de l'arrivée, il en a eu maintenant pendant 30 km dans une longue poursuite en solitaire. Et bien tant mieux s'il continue dans ce panache, de toute façon maintenant, ça ne sert à rien d'attendre le groupe du Chauff. Les munitions, elles sont grillées, donc allons-y jusqu'au bout et allons-y dans le panache, tant mieux. Moi je trouve ça superbe d'avoir une combativité à toute épreuve et de se dire, ben voilà, je me lance encore dans ce périple solitaire alors qu'il reste 21 km. Troisième année d'affilée où Philippe Gilbert fait un numéro au Volk. L'année dernière, on se rappellera qu'il avait chuté, qu'il avait glissé dans la finale et qu'il aurait sans doute pu réaliser le doublé. Ah, c'est une course qui lui convient assurément. Mais quelle course d'un jour ne lui convient pas ?
Je pense que c'est un très très beau coureur de classique, hein, et que dans toutes les courses d'un jour, on a Philippe, c'est pas vraiment le moment de prendre un deuxième bidon, et qu'il n'était pas forcément content de voir Martial Gaillant sur son chemin, mais c'est pas bien grave. Il donne tout ce qu'il a en tout cas Philippe, là c'est un long contre-la-montre et ça va être un beau final. 20 secondes sur le groupe 2, mais alors qui a-t-on répertorié dans le groupe 2? Ce sont toujours les garçons qui étaient avec lui, les 4 coureurs fatigués qui ont tout donné depuis le matin, c'est-à-dire Gérard, Minard, et voilà le groupe 2 c'est simplement Kuczynski. Qui était le plus frais, on le voyait pendant les ascensions dans le groupe de tête, c'était le seul qui n'a jamais été en difficulté dans ce groupe. Qui malheureusement, lorsque Philippe a accéléré, ben, impossible de remettre cette explosivité pour aller le reprendre, et qui se trouve un tout petit peu en chasse-patate tout seul et seulé au milieu de ce groupe. Voilà le reste du groupe. Et normalement, on devrait avoir Minard et vous. Et voilà le groupe avec le groupe des 7 avec Neuhens qui se replace en dernière position et qui demande à Jalabert de passer. Kuczynski à 27 secondes. Voilà Minard. Oui, c'était les deux plus frais hein, dans le groupe, Kuczynski et Minard. Et puis un petit peu plus loin, on retrouvera donc Gérard Friedman et le dernier coureur, compagnon d'entraînement. Donc quand on s'entraîne avec Guédon, on peut accumuler pas mal d'expérience. Et vous avez vu que Host d'ailleurs vient de lui dire, hein, tu ferais mieux de rester à l'arrière parce qu'on a bien compris que tu vas essayer de tourner. Et il lui a bien fait signe avec le doigt que sa place maintenant elle est derrière. Mais bon, je pense que pour Gérard, il ne faut pas se laisser faire, il faut continuer à tourner, il n'y a pas de raison. Ça fait partie aussi des stratégies cyclistes de tourner avec. Il faudra voir s'il va oser aller face à Host, face à Cancellara. Il est là, hein, il est aux avant-postes malgré tout. Hein. Et il laisse des trous. Qui se retourne, qui regarde Uchoft, est obligé de rouler également. Reste encore un petit peu sur ce plan, je vais peut-être pouvoir vous donner un. Et bien moi je dis 1-0-4 également. Et Philippe Gilbert qui ne se pose pas de questions, il faut tout donner maintenant. 15 km encore. 55 secondes. C'est ce que donne Radio Tour. Moi je suis plutôt. Je prends le GPS, 1.05. Et moi j'espère comme vous que le GPS a raison. Ça serait plutôt une bonne nouvelle pour Philippe. Alors maintenant, quelle va être la stratégie de Cancellara aussi derrière? Car lui sait que même en revenant avec le groupe, quelles sont ses chances par rapport à un sprint contre Uchoft? Va-t-il essayer quelque chose dans les 10 derniers kilomètres pour sortir en poursuiteur et essayer de boucher seul? Ça devrait tenir, ça devrait être bon pour Philippe Gilbert. Un peu proche. Mais pas qu'elle se laisse surprendre car Philippe Gilbert a encore du répondant et de l'explosivité sur les pavés de Steenacker. C'est le dernier secteur pavé, ça en sera terminé après. Si ça passe là, c'est ce que Marc Madiot disait, si ça passe là, eh bien c'est bon. C'est quasiment dans la poche. Ça passe bien pour le moment, ça passe à l'arraché, en force, tout en puissance, mais ça passe bien. Et toujours avec pas mal de lucidité. Voilà les premières voitures qui arrivent de l'autre côté, puisqu'il passera une fois en face de nous avant de... Et c'est Uchoft qui va derrière, c'est Uchoft qui tente le tout pour le tout. Uchoft, et puis il y a qui? Il y a Johansen dans ce groupe, je pense que ça doit être Neuhens. Oui, c'est Neuhens. Jalabert, Host et Kuczynski qui est toujours là. Uchoft qui a demandé à Neuhens de passer.
Et Christophe également, qui doit être encore présent, me semble-t-il. Et voilà le groupe des poursuivants avec Cancellara, qui avait pourtant l'air d'être très à l'aise. Keux et Cancellara dans ce groupe-là. Lâchés alors que voilà Philippe au 4 km et les autres sont passés il y a une petite dizaine de secondes au 5 km, ce qui veut dire qu'il a quasiment un kilomètre d'avance. Ost, Neuens, Johansen, Jalabert et Uchoft. Johansen et Jalabert, ils ont été avec Philippe Gilbert un moment et puis ils ont été lâchés. Les seuls que Philippe n'a pas eu à ses côtés, quoique quand il a attaqué dans Leikenberg, Neuens était là. Donc il a montré depuis le début qu'il était plus fort que tous ses coureurs. Il est encore en train de le montrer maintenant, il faut concrétiser. L'écart qui accélère dans le petit groupe de poursuite. Et l'écart qui passe pour une première fois sous la minute. L'équipe à Gritubel. Jalabert qui est repris. Uchoff se retourne, Neuens zit. Philippe Gilbert, geruststellend is zijn voorsprong. We krijgen achteraan bij de achtervolgers nu in de afdaling naar het gebouw van Radio 2. Eén aanval van Allan Johansson. Die probeert voor de tweede plaats uit de brand te steken. Komt dat je daar niet bij. Maar wat kan Johansson, wat kan Neuens in Spurtberg op hier tegen? Die staat er dus. Uchoff, dat wordt moeilijk. En bij dit was Kato naar de Tsivetina. Ja, Petini. Zo uitsmekende boven. De spieren, de dijen wat uitschudden en nu nog één keer optrekken. Philippe Gilbert, één keer optrekken. Ja, niet goed erop. De jong, boven, stop er daar, boven zat hij. Ja, fantastisch. Maar Transmans. Est-ce que Neuens et Ost ont envie d'amener Uchoft? Trois kilomètres encore. Les jambes là-dessus, il n'y a aucun problème. Et puis le fait de voir maintenant qu'il est dans la dernière ligne droite, le voilà Philippe. Il a compris. Après 2006, il va inscrire une nouvelle fois son nom au palmarès du circuit Eötvolk. Quatrième victoire de la saison déjà pour lui, mais la plus belle, le circuit Eötvolk pour Philippe Gilbert avec du panache, monsieur Philippe Gilbert. Quelle démonstration, il est sorti dans Leikenberg, c'était bien préparé et c'était loin à 50 km. Il fallait oser, il a osé, au courage, généreux dans l'effort, il va la chercher cette victoire. Le bonheur total, le point levé et l'écho avec Marc Madieu derrière. Philippe Gilbert, plus belge que jamais, qui réunit une nouvelle fois la Flandre et la Wallonie avec lui. 63e édition du circuit Eötvolk, 53e succès d'un Belge et la deuxième fois pour Philippe Gilbert. Superbe victoire de Philippe Gilbert. Le voilà, c'est fait. Chapeau bas, monsieur.
Et on va voir l'écart de Yates qui va sans doute venir, qui était au palmarès, le Belge précédent, Philippe Gilbert. Et Neuens qui a été repris, semble-t-il. Peut-être pas, non, toujours pas. Il se bat pour sauver cette deuxième place. Il est dans la partie montante, lui aussi avec le vent légèrement dans le dos. Neuens, c'est peut-être Host alors pour faire un triplé pour la Belgique. Non, ce sera Uchoff. C'est Uchoff qui est parti avec Christophe. Avec Christophe qui est toujours là. Dernière escapée de l'échappée du matin. Deuxième place pour Nick Neuens et c'est maintenant sans doute que du côté de chez Cofidis on doit se mordre les doigts parce que si on avait un petit peu organisé la poursuite, on aurait peut-être pu faire autre chose que cela. Deuxième Nick Neuens à 57 secondes et puis le sprint remporté, le sprint à deux remporté par Thor Uchoff qui sera donc troisième du circuit Hautvolk. Et ce sont quatre équipes françaises aux quatre premières places. Un cyclisme français qui a le vent en poupe. Le voilà Philippe. Et quel panache hein, quand même sortir à 50 km de l'arrivée tout seul, se lancer dans un long périple solitaire, aller rechercher les autres échappés et venir encore ici dans un périple, un contre-la-montre de 20 km. Alors là, chapeau, vraiment chapeau. Et le sprint pour les places d'honneur avec Keuks devant Gérard. Minard est dans le sprint, Friedman, Cancellara distancé. Ce sont en sprint pour les places d'honneur. Et c'est Keuks qui va la chercher pour l'équipe Landbouw Crédit. Et puis les deux autres, eh bien, Française des Jeux et Cofidis. Chapeau également à Gérard qui